Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 38, Ha-Amia. Cet ange régente les énergies vénusiennes dans le cœur martien des puissances. De ce fait, la personne pourra trouver dans la vie quotidienne son parfait complément sentimental et vivra une histoire d'amour extraordinaire. Elle aura une vie paisible, tranquille, sans angoisse, selon le texte traditionnel qui indique que la prière à cet ange gardien sert contre la foudre, les armes, les animaux sauvages et les esprits malveillants, car il n'y a rien de mieux contre la violence que les énergies de Vénus. Vous pouvez l'invoquer pour trouver l'âme sœur. Il vous offrira en effet confiance en vous, persévérance, mais lutte aussi contre le découragement. Il vous permettra d'acquérir le sens des préparations pour les cultes religieux, mais aussi dans la vie quotidienne. Vous pouvez l'invoquer pour tous les sujets d'ordre relationnel. Il vous aidera à ouvrir votre cœur et à vivre des histoires plus apaisées. Prière à l'ange Ha-Amia. Ange Ha-Amia, purifie mes sentiments, écarte de moi ce qui ne s'accorde pas avec les règles divines. Fais que mon cœur seulement désire ce que toi, Ha-Amia, désire pour moi depuis les cieux. Lorsque j'aurai atteint ma paix intérieure et que je serai en mesure de mener une action positive et utile à mon prochain et à moi-même, je te demande de m'octroyer les attributs de la logique et de la raison afin qu'avec mes proches, je puisse ressusciter dans le cœur des hommes ta vérité, car c'est ainsi que le bonheur pourra régner dans le monde. Permets-moi d'exorciser tous les démons. Prépare-moi à vivre une grande et belle histoire d'amour, à accueillir l'âme sœur. Accorde-moi la compréhension des rituels par lesquels je pourrai accueillir les biens matériels et célestes pour te servir et servir la sacrée. Merci, avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.